Bonsoir à tous, bienvenue au Roazhon Park et bienvenue à Rennes pour ce huitième de finale aller d'Europa League entre le Stade Rennais et Arsenal. Stade Rennais qui s'est qualifié à Séville sur la pelouse du Real Betis avec un immense succès. La première fois que le Stade Rennais va en huitième de finale du Coupe d'Europe dans son histoire. Grâce à un excellent match. Pierre-Emerick Aubameyang évidemment à suivre. Les grands absents de ce soir, Alexandre Lacazette n'est même pas ni titulaire ni sur le banc. Ça doit être un choix de Unai Emery. En tout cas, on espère. Voilà justement Unai Emery. Et forcément, on va revenir sur l'élimination du PSG United. Match catastrophique. Et surtout une polémique sur le troisième but. Grâce à penalty accordé par l'arbitre. Mais bon, on n'en est plus là. Rennes, lui, est encore là. Espérer aller le plus loin possible dans cette Europa League. Petr Cech, évidemment, légende vivante. La composition du Stade Rennais avec évidemment Thomas Koubek dans les buts qui a fait un énorme match face au Real Betis la semaine dernière, non, il y a 2 semaines. Alors, évidemment, Ounou et Ben Arfa en pointe. Pour y jouer, André Grenier et Sarr sont là. Forcément, les remplaçants, on les a pas très bien vus. La composition d'Unai Emery avec Petr Cech dans les buts. Pierre-Emerick Aubameyang en pointe, vous allez le voir de toute façon tout de suite. Laurent Koscielny est titulaire. Aubameyang en pointe devant Ozil et sur les ailes, pardon, Iwobi et Mkhitaryan. Choc entre Rennes et Arsenal. Rennes va-t-il continuer sa très belle campagne européenne? C'est ce qu'on va voir ce soir. Pour cela, il faut essayer de battre le grand Arsenal qui est en difficulté au match aller pour les 16e de finale, mais s'est baladé au match retour et s'est qualifié assez facilement. Mandréal, Iwobi, Mandréal. Le centre cherché Ozil, c'est repoussé par Da Silva, me semble-t-il. Batshuayi qui évite le corner à la dernière seconde. Sarr, Batshuayi. Sarr. Interception de Torreira. On cherchait Ben Arfa, le ballon déjà récupéré. Ben Arfa. Grenier. Ou. André. Directement sur Koscielny. Ozil. Et interception. Sarr. Sarr toujours contré, mais non, il a perdu le ballon face à Xhaka. Ozil. Aubameyang, Xhaka. Torreira. Ozil. Torreira. Ozil. Xhaka. Non, il n'a pas réussi à récupérer le ballon. Bourigeaud, Mkhitaryan qui se débarrasse de Zéphane. Le centre, c'est repoussé. Ça revient sur Torreira. Xhaka, Torreira, Ozil, Torreira, Torreira, Mkhitaryan, le but! L'ouverture du score d'Henrik Mkhitaryan, ça commence très mal! C'est en termes de match pour les Rennais. L'ouverture du score de l'Arménien, Henrik Mkhitaryan, l'ancien de Dortmund. Et voilà, Arsenal qui commence le match de la meilleure des manières. Et pourquoi personne n'est venu chercher Torreira qui a eu le temps d'ajuster sa passe? Et Mkhitaryan, magnifique but en pleine lucarne. Koubek ne peut strictement rien faire. Et voilà, début de match parfait pour Arsenal. Emery est content, forcément. Mais là, ça commence très mal. Vous pouvez les rêver une nouvelle fois. Voilà, vous pouvez pas plus mal commencer, forcément. Déjà que l'ambiance n'est pas au beau fixe ce soir, bizarrement. Mais là, il y a encore moins. Pour moi, chaleureuse avec le but de Mkhitaryan. Ah, c'est les Rennais se réveillent. Faut pas les supporters. La transversale pour Bourigeaud repoussée par Mandréal. Mkhitaryan, le buteur. Celui qui va tout seul sur l'aile. Personne n'arrive à l'arrêter. Et la bonne dribble sur Ounou. Xhaka. Torreira. Iwobi. Attention, Aubameyang parfaitement lancé. Aubameyang qui rate un peu sa frappe. C'est dégagé en catastrophe par Becher. Et ce sera un corner pour Arsenal. Sa première frappe
Mkhitaryan, c'est au fond. La première frappe du match, elle est au fond. Un peu comme Romelu Lukaku hier soir. La première frappe du match, elle a été directement au fond. Alors, vont-ils jouer à deux ce corner? Non. Ah bah, d'accord, il se jette tout seul. 6 mètres. Concédé bêtement par Mesut Özil. C'est très rare ce genre d'image. De voir un corner complètement raté. Du moins de voir celui qui vient pour avoir le ballon pour centrer lui-même. Sortir le ballon 6 mètres. Immobile. Torreira. Chaka. Et Immobile parfaitement lancé. Il y a du monde à la surface. Chaka contré. Et ce sera pour Sarr. Tournier. Ben Arfa. Interception avec Ozil. Ozil qui se débarrasse de Mécher. Torreira. Et c'est directement sur Mécher qui dégage. Directement sur Sokratis. Ozil. Ozil toujours. Mkhitaryan. Chaka. Aubameyang qui n'est pas hors jeu. Mustafi. Et interception de Bourigeaud qui dégage. Allez, Emery qui reste concentré. Je sais que 1-0, c'est peut-être pas suffisant pour l'instant. Ça fonctionne. Oh, le bon dribble. Bon, la bonne geste balle. Le ballon est bêtement perdu. Pas Mkhitaryan, mais chanceux. Il récupère la touche. Mustafi. Torreira. Aubameyang. Chaka. Bien placé. Heureusement, c'était bien défendu par la défense rennaise. Sarr. Zéphane. André, Bourigeaud, Ounou toujours, qui a peut-être centré, là il aurait pu, il n'y avait personne pour le gêner, le centre pour ça, c'est repoussé, et le ballon récupéré par Alexis Bobby, Aubameyang, Torreira, Mkhitaryan, Torreira, l'interception, impeccable, mais le ballon va être perdu tout de suite, Ozil, Torreira, Chaka, Chaka toujours qui cherche une solution, pourtant il y a du monde. Ozil Aubameyang qui va pouvoir tenter sa chance face à Koubek et le but. Et 2-0 pour Arsenal. Deux frappes, deux buts. 100% de réussite pour Arsenal pour l'instant. Et aucune occasion de se mettre sous la dent pour les Rennais. Aucune frappe du côté Rennais. C'est un début cauchemardesque pour les Rennais. Mais voilà, après Mkhitaryan, c'est Aubameyang. Sans problème qui trompe Koubek là, encore du même côté. Encore une fois, Koubek est beaucoup trop court. Ça fait déjà 2-0 pour Arsenal. Qui pour l'instant est bien parti pour se qualifier en quart de finale. Et oui, ça commence très très mal là aussi. Et voilà, 8e et 20 minutes. 8e et 20e minute, Arsenal met déjà 2-0. Et aucune occasion pour les Rennais pour l'instant. C'est un véritable cauchemar ce début de match. Attention, Sarr qui a failli sortir tout seul en touche. Fetsibaili, Sarr. Centre contré. Et ballon facilement récupéré. Mkhitaryan. Ozil. Chaka. Aubameyang. Iwobi. Chaka. Ozil. Torreira. Mustafi, Torreira, Mustafi, Mkhitaryan, le centre pour Iwobi. Heureusement, le métier Bali veille au grain. Et c'est dégagé directement sur Montréal. Iwobi. Iwobi toujours face à Betsy Bali. C'est Betsy Bali qui a le dernier mot. Grenier. Sarr, Ben Arfa. Sarr. Ben Arfa, Ben Sebaini, Grenier, André, check sous cette énorme frappe de Clément Grenier, enfin d'occasion rennaise, mais elle n'est pas malheureusement concrétisée, super barré de Petr Cech, alors là il n'y a rien à dire là-dessus, et l'interception de Mkhitaryan, Ozil, Mkhitaryan, et l'interception, Bourigeaud, enfin les Rennais commencent enfin à se réveiller, après 30 minutes de cauchemar.
Chaka. Iwobi. Aubameyang. Iwobi. Aubameyang parfaitement lancé. Mais ça arrêtait bien, était bien présent. Et peu dégager ce ballon. Et le ballon n'est pas perdu. André. Ben Arfa. André. Bourigeaud. Ben Arfa. Grenier. La frappe de Grenier. Je pense qu'elle a été contrée. On va voir le ralenti. Je pense que oui. Et oui, c'est que c'est lui qui la touche. Corner à suivre pour Rennes. Voilà, enfin une occasion dangereuse. La deuxième. Pour les Rennais qui ont mis du temps à se réveiller. Au moins, ils commencent enfin à se montrer présents. La tête d'Ismail Assar, juste au-dessus. Ah, ça commence à se rapprocher petit à petit. Et malheureusement pour les Rennais, 3 frappes et 0 but. Alors que du côté de l'Arsenal, seulement 2 frappes, mais 2 buts. Voilà la différence malheureuse. Petit Bainey. Bourigeaud. Ounou. Zéphane. Zéphane toujours qui se débarrasse de Mustafi, le centre pour Ben Arfa, la superbe sortie de Cheikh, c'est peut-être pas fini. Fessi Baini avec Ben Arfa maintenant, le centre contre ce André, bien placé, tout seul le but. Et bien voilà le but de Benjamin André, l'espoir commence à revenir dans cette partie. La Reine, on le sentait qu'ils avaient les moyens de revenir, c'est fait. 35e minute et 2 buts à 1 dorénavant pour Arsenal. Là, ce n'est plus du tout la même limonade. Il était complètement seul, Benjamin André. Personne n'était présent. Mais Koscielny qui a essayé de détourner ce ballon avec le genou. C'était trop tard. Cheikh est battu cette fois-ci. Après sa superbe parade tout à l'heure face à Grenier. Mais c'est bien André qui trompe le vétéran Petr Cheikh qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Et ben voilà, Rennes revient. Lentement mais sûrement dans cette rencontre. Juste avant la mi-temps, c'est ce qu'il fallait faire. Attention, pas recraquer après. Koscielny, Ozil, Xhaka, Ozil, Mkhitaryan, Ozil, Ozil toujours. Et l'interception. Et ballon déjà reperdu avec Mondréal. Aubameyang. Iwobi qui peut centrer directement, chercher Mkhitaryan, ça passe juste à côté. La première frappe d'Arsenal non concrétisée et qui ne finit pas au fond. Ça va sans doute redonner l'espoir aux Rennais qu'ils attendaient. Là, Thomas Koubek a eu très chaud, parce que là il en est à 0 arrêt quand même depuis le début du match. Contrairement à Tchèque, on est déjà à 2. Bourigeaud. André. Ou le tacle de Torreira et l'arbitre ne siffle pas. Ce qui est quand même très étonnant. Mustafi. Torreira. Ozil. Mustafi. Torreira. Ozil. Mkhitaryan, Xhaka. Aubameyang. Et l'interception. Contre-attaque avortée. Grenier, Ben Arfa, Sarr, Ben Arfa, la passe ratée, sans problème pour Iwobi, Xhaka, Monreal, Koscielny, Monreal, Ozil, Aubameyang, Ozil, Torreira. Mkhitaryan, Aubameyang encore. Ozil. Xhaka, Torreira, Aubameyang. Qui a failli se retourner, Torreira. Le bon dribble. Xhaka, pour Iwobi, c'est dégagé. Par Bensi Baini. André. Ounou. André. Transversal contré. Mais le ballon quand même donné. Da Silva. Sarr, Grenier, et 3 minutes, c'est additionnel dans cette première période, et 2-1 pour Arsenal.
Peut-être 2-2 avec cette occasion rennaise. Stéphane, André, Ben Arfa, Bourigeaud, André. Bourigeaud, le centre. C'est repoussé, servi sur Grenier. André. Bourigeaud, la frappe de Bourigeaud, l'excellente parade de Petr Cech. Et encore 40 secondes à jouer avant le coup de sifflet de l'habitant. Mkhitaryan. Bonne couverture défensive de Medizéphane. C'est une touche. Et l'arbitre va bientôt siffler l'habitant. Voilà, c'est fait. Mi-temps ici au Roazhon Park. Et 2 buts à 1 pour Arsenal. Malgré 30 premières minutes très compliquées pour les Rennais, ils se sont réveillés. Et ont réussi à revenir à une longueur des Gunners. L'espoir est encore permis. Il reste encore 45 minutes pour faire la différence. Allez, on va repartir tout de suite. 4, 5 tirs à 4. Ah oui, c'est très serré quand même. Retour des vestiaires ici au Roazhon Park. Y a-t-il eu des changements à la pause? Visiblement non. On prend les mêmes deux acteurs. Rennes, encore 45 minutes pour aller chercher peut-être le nul. Ou même faire la différence. Il faut surtout il faut qu'ils continuent sur leur lancée et pas se relâcher maintenant. Sarr. Ben Arfa. Ou la faute, toujours pas sifflé, demande Real. C'est étonnant là, il n'a pas du tout joué le ballon, l'arbitre s'en fiche royalement. Mustafi. Chaka. Torreira, Ozil, le petit pont. Sur André, et le ballon n'est pas récupéré. Chaka. Aubameyang. Aubameyang, il fait littéralement ce qu'il veut. Mkhitaryan, le centre pour Iwobi, c'est dégagé. Et c'est pour Ismaïla Sarr. André, Ben Arfa, Grenier, Founou, André, Zéphane, Bourigeaud, Ounou, le centre, peut-être pour Ben Arfa, la superbe sortie de Petr Cech juste devant Sarr, qui s'apprêtait à reprendre ce ballon de la tête. Zéphane. Grenier, Ounou, André, oh là là, passe un peu approximative, bon, heureusement il n'y avait personne derrière lui. Bourigeaud, Zéphane, directement sur Mustafi qui dégage en touche. Et changement à suivre. La sortie d'Aaron Ramsey, de Alexis Mobi, pardon, et l'entrée d'Aaron Ramsey. Premier changement de la partie, il est effectué par Unai Emery. André, Zéphane, nouvelle touche pour Arsenal, pour Rennes, pardon. Ounou, André. André qui temporise beaucoup trop et Torreira sans problème qui lui prend le ballon. Aubameyang. Ramsey. Torreira. Ramsey. Monreal. Ramsey. Ozil. Aubameyang avec Mkhitaryan rose. Bon, Ben Sebaïdi était là. On se désévade, pardon. Et le ballon est déjà récupéré par les Gunners. Ramsey. Ozil. Et Mkhitaryan. Aubameyang parfaitement lancé. La parade de Koubek. Le premier arrêt de Thomas Koubek dans cette rencontre. Il se laissera pas voir deux fois par Pierre-Emerick Aubameyang. Impeccable sur cette sortie, Thomas Koubek et l'entrée de Matteo Guendouzi. Déjà le deuxième changement pour Arsenal et la sortie de Lucas Torreira. Le corner s'est dégagé. Et il n'y a personne. Ah si, à Montréal qui était tout seul pour récupérer ce ballon. Rap, c'est l'interception. Essar, le bon tacle. Ounou, Grenier, André. Sarr qui peut aller chercher le centre. Ce serait une touche longue, beaucoup trop longue. Passe, pardon. Directement dans les bras de Petr Cech. Koscielny, Guendouzi, Ozil, Mustafi, Guendouzi, Mustafi, Mkhitaryan. Pour Mustafi, il n'y a personne pour le gêner à ce quadrat de Mustafi. Le centre, c'est repoussé par Zéphane au dernier moment. Oh, la belle reprise de volée de Guendouzi, mais le ballon est perdu. Bourigeaud. Ounou parfaitement lancé.
Attention à Cosselny, il n'y a personne pour le gêner. Il y a du monde à la surface, il faut qu'il centre. Il faut qu'il centre et ce sera un corner concédé par Laurent Cosselny. Je ne sais pas ce qu'il nous a fait ou nous, mais là il a complètement tardé. Comment ça s'y mettre? Il a touché en dernier. Ah bah visiblement oui. Bon, bah c'est ce qui m'étonne. Chaka, Aubameyang, Guendouzi, Mkhitaryan, Aubameyang, Mkhitaryan, l'interception de Da Silva. Bon, c'était André, pardon, mais cher. La transversale pour Sarr, il est tout seul, il va pouvoir centrer, il n'y a personne pour le gêner, le centre, ça passe devant tout le monde, on a repris. Et l'égalisation, l'égalisation de Benjamin André. On voit que ce soit Brugeau, mais j'en doute. Et non, c'est bien Brugeau. L'égalisation de Benjamin Bourigeaud sur un excellent centre d'Ismail Assar. Une reprise de volée imparable. Et ça fait de partout. Les Rennais sont incroyables de cette Europa League. Alors là, il n'y a rien à dire. Alors, même pas Zoulou, je dis n'importe quoi. Les Rennais sont tout simplement incroyables de cette Ligue Europa. Ils sont là, là où on ne les attendait pas. Ils arrivent à tenir tête à Arsenal. L'égalisation d'un trio Oudou. Et voilà, tout change. Pour un mi-temps en demi-teinte. Mais là, c'est les Rennais qui dominent cette seconde période. Même si Arsenal a eu une occasion. Elle a été détournée par Kobek. Attention, c'est pas fini. Mkhitaryan, les passements de Jobs, ça ne passe pas face à André. Et c'est dégagé loin devant. Ramsey. Chaka. Guendouzi. Ozil. Mkhitaryan, Aubameyang, Guendouzi, Mkhitaryan contre dans les moments, le ballon est déjà récupéré par Aubameyang, Guendouzi, Ozil, Mkhitaryan, ça passe à côté. On n'a pas le temps de respirer dans ce match. Ah ça non. Mkhitaryan, ça fait deux fois qu'il tire à côté. La première fois c'était en première période, mais là c'est en seconde. Et toujours pas de changement effectué par Rennes. C'est ce qui est très étonnant d'ailleurs. Pour l'instant, il tient bien le coup, ça, il n'y a pas de problème. C'est quand même très étonnant qu'il n'y ait pas eu de changement. Du côté rennais, du moins. Zéphane, oh là, la transversale pour Sarr. Ça a bien marché tout à l'heure. Cette fois, c'est repoussé. Et ce serait une touche pour les rennais. Et peut-être un changement rennais, d'ailleurs. Et c'est bien ce qu'il me semblait. La sortie d'Ismail Assar, le passeur décisif. Et l'entrée de Romain Del Castillo. Je disais que je le dise. Pour que les Rennais fassent un changement. Mes chers, Grenier, André, Tel Castillo, et l'interception de Guendouzi, Chaka, Mustafi, Guendouzi, Socratis, Mondréal, Chaka, Aubameyang, Ramsey, Aubameyang. Et l'interception d'André qui reprend donc a failli perdre le ballon. Brugeau. Bien contré par Mkhitaryan qui va obtenir la touche. Mustafi. Guendouzi. Chaka. Ramsey. Oh le bon tacle de Benjamin André. Et l'arbitre ne siffle pas faute non plus. Mais enfin. Grenier. La transversale pour nous s'est repoussée. Koscielny. Mustafi. Ozil. Chaka. Chaka toujours. Ramsey. Chaka. Ozil. Chaka. Encore pour Ozil. Aubameyang. Oh la parade de Kubek encore. Deuxième parade décisive de Thomas Kubek. C'est peut-être au prix de but en seconde période. Il en a sauvé deux. En première période, pardon, mais il en a sauvé deux en seconde. Et voilà la preuve. Mais l'histoire ne se répète pas. Le corner. Est-ce qu'Ozil va nous refaire la même boulette que tout à l'heure? Eh bien, c'est fou, il lui donne le ballon. Ozil le centre. C'est repoussé. Et ce sera pour nous. L'égalisateur qui rate sa passe. Et heureusement, c'est pas trop.
C'est pas trop grave non plus, Aubameyang. Attention, avec Ramsey, l'interception. Non, le ballon n'est pas perdu, Aubameyang contré. C'est finalement dégagé. Ouh, la belle talonnade. La Silva, la transversale loin devant pour Ounou. C'est repoussé. Aubameyang. Ramsey, Ozil. Mkhitaryan, Aubameyang. Chaka, Ramsey, but! Et ben voilà, ce soir, un peu relâché les Rennais. Et Arsenal repasse devant. Ah, que c'est cruel, alors qu'ils étaient parfaitement revenus dans ce match. Mais Aaron Ramsey, lui, il en a rien à faire. Il va directement dans les bras de son entraîneur, Unai Emery. Forcément, les supporters d'Arsenal venus en nombre sont évidemment euphoriques. Donc il reste 13 minutes à jouer, c'est bien Arsenal qui repasse devant. Et là, Ramsey n'a pas eu grand chose à faire. C'est bon, je reviens. Voilà Ramsey, lui, forcément l'expérience il a. Il a même failli envoyer le ballon au plein visage de Thomas Koubek, mais heureusement c'est pas le cas. Et là Unai Emery est forcément heureux. Alors que Rennes était revenu à deux partout. Et là Aaron Ramsey vient de calmer tout le Horizon Park et lui tout seul. La sortie de Clément Grenier. Ah ben j'aurais bien voulu vous dire qui c'est qui est rentré, mais je ne sais pas qui c'est. C'est pour ça que j'ai attendu. Alors. Oui, 10 tirs à 6 pour Arsenal. On va bien savoir qui c'est qui est rentré à la place de Grenier. D'accord. Ah, c'est Johansson qui est rentré. André, attention là, mais elle passe pour Ounou directement dans les bras de Petrček. Alors, je ne sais pas pourquoi les supporters de Red se mettent s'énervent. Donc, il n'y a absolument pas eu de faute de Tchèque. Ounou qui réussit à donner le ballon quand même tant bien que mal. André Del Castillo qui n'est pas hors jeu, mais il n'y a personne de la surface. Mais ça ne passe pas face à Sokratis. Mkhitaryan. Chaka. Ozil. Mkhitaryan. Chaka. Mkhitaryan. Mustafi. Ozil. Mustafi. Guendouzi. Aubameyang. Ramsey. Ouh, attention, Aubameyang pour Ozil, c'est bien défendu, c'est des questions catastrophes. Directement sur Del Castillo. Ben Arfa qui perd le ballon trop facilement. Ozil, Guendouzi, Mkhitaryan, Aubameyang. Mkhitaryan, Guendouzi, Chaka, Guendouzi, Mustafi, Chaka, Ozil, Aubameyang. Ramsey, Ozil, Guendouzi, Ozil. Guendouzi. Aubameyang. Oh, la parade de Koubek. Heureusement. Celle-là, elle est plus qu'importante. Parce que là, le 4 à 2, ça aurait été très compliqué. La semaine prochaine, pour le match retour à l'Emirates Stadium d'Arsenal.
Le corner, encore 5 minutes à jouer. Non, il y a une erreur. Tout à l'heure, il y avait 10 tirs à 6. Ça serait bizarre que maintenant, il y en ait 6. C'est seulement un pour Rennes. La sortie de Benjamin Bourigeaud et l'entrée de Léa Siliki. Tous les changements ont été effectués par les Rennais. Il me semble qu'il reste un pour Arsenal, mais j'en suis pas sûr. Allez, je reviens que je se dépêche de terminer parce que le match a déjà commencé. Moi, le vrai match, bien sûr. Ménard pas, Johansson. Et Asliki. Da Silva. Et c'est contré. Chaka, Ozil. Guendouzi, Mkhitaryan. Guendouzi. Mustafi. Mustafi pour Mkhitaryan qui fait littéralement ce qu'il veut. Aubameyang. Oh, la parade énorme de Koubek. Et ça continue. Le festival Thomas Koubek. Et bien dans les buts du Stade Rennais. Troisième parade décisive de Thomas Koubek. Je vais même dire quatrième du coup. Il est en feu dans cette fin de match Thomas Koubek. Heureusement. Ça n'empêche pas de Rennes d'être obédé à 3-2. Faudrait vraiment un éclair de génie pour que Rennes revienne à 3-3. Alors qu'il reste une minute dans le temps réglementaire à jouer. Le corner, c'est raté. Attention, Chaka, c'est pas fini. Guendouzi, Chaka. Koscielny, Guendouzi, Ozil, Chaka. Ozil contré, ce sera un corner. Pour Arsenal. De 6 mètres. Autant pour moi. Attends, j'étais persuadé que ça avait été dévié. Et 4 minutes encore à jouer dans cette fin de rencontre. Et toujours 3-2 pour Arsenal. Attention, Rennes a largement, peut-être largement le temps de revenir à égalité. Et pour ça, il faudrait vraiment qu'il garde le ballon jusqu'à la fin. C'est cher. Le ballon devant pour Ben Arfa. Le ballon perdu. Chaka. Guendouzi. L'interception, c'est peut-être pas fini. Del Castillo. Del Castillo, centre contré par Socratis, qui va éviter le corner. Koscielny, la mauvaise passe, la frappe complètement ratée de Benjamin André. Non, c'était Del Castillo, pardon. Il a raté l'avant-câble, littéralement, là. Le cadeau de Koscielny, il n'en profite pas. Frappe beaucoup trop croisée. Pour l'instant, Arsenal est toujours devant. Là, on se demande bien pourquoi l'arbitre insiste d'enlever son drapeau. Allez, en plus, check, il prend son temps. Forcément, il a raison. Une minute encore à jouer. Et là, j'ai bien peur que le match se termine sur un 3-2 d'Arsenal. Ozil. Mkhitaryan, Ozil. Aubameyang, Mkhitaryan, le tacle raté. André, c'est fini. Victoire d'Arsenal, 3-2. Rennes a été très bon. Mais s'est fait avoir par Rondrapsé à la 77e minute. Et Arsenal mène 3-2 au match aller, ce qui risque d'être compliqué à l'Emirates Stadium la semaine prochaine. Peut-être pas à la même heure, mais au moins à l'extérieur ce sera encore plus compliqué, ça je m'en doute. Donc voilà, ça va être là, je vous laisse avec le vrai match qui est déjà commencé. Donc on va vite se dépêcher de quitter le stream. Ah, merci. Alors, les notes on s'en fiche, on n'a pas le temps. Je vous souhaite un bon match et bonne soirée. Et alors, attendez, c'est quand le match retour Juve Atlético Madrid? Parce que ce soit mardi ou mercredi. On va bien voir ça. Ah ben c'est mardi. Et je vous donne rendez-vous mardi à 20h pour Juventus Atlético Madrid pour le 8e de finale retour. Je vous souhaite un bon match et bonne soirée. Et à mardi. D'abord à dimanche pour Fastlane d'abord. J'avais oublié. Salut à tous.